Quand on est une personne handicapée, construire son quotidien, c'est compliqué. C'est tellement d'efforts que voyager, c'est presque surnaturel. Ce qui est difficile, c'est de mettre en place la chaîne du voyage, la chaîne du transport. Même s'il y a des réglementations européennes, il y a encore des compagnies qui aujourd'hui ne veulent pas, pour X ou X raisons, prendre des personnes handicapées. Les personnes handicapées ont un rôle à jouer dans la société important pour accompagner justement le monde du non-handicap, on va dire, dans la connaissance de leurs besoins et de leurs souhaits. Dans plein de pays, le handicap est souvent associé à une malédiction, à quelque chose d'un petit peu négatif. Donc il faut renverser un petit peu la vapeur en montrant comment ça peut être une source de progrès. Si la clientèle handicapée voyage, il est évident que les services sur place vont se développer et qu'à partir du moment où on développe ces services, eh bien, il n'y a qu'un intérêt, c'est que ça bénéficie bien entendu aux populations sur place.